Et salut à tous, c'est Michael Samurai, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 38 de Dragon Ball Super. Donc on apprend, donc c'est ma première review, donc je ferai toutes les semaines. Donc voilà, et alors, peut-être sur deux épisodes, l'escalade quoi, on verra. Donc dans cet épisode de Dragon Ball Super, on voit Vegeta qui va affronter Hit, après que Vegeta ait montré la puissance face à KB qui a montré la fierté des Saiyajin de l'épisode 37, c'est maintenant le tour de Heat. Heat qui a gagné le plus puissant de l'univers 6 et qui est notamment un tueur à gage. Et donc les deux adversaires se mettent en garde. Vegeta voit que Heat lui laisse aucune chance pour attaquer. Donc il se met vraiment. Voilà, il laisse aucune ouverture quoi. Bon, Vegeta arrive, décide d'attaquer, mais il ne parvient pas à atteindre sa cible. Voilà. Hit le frappe sans qu'il n'ait pu voir son mouvement, comme quoi Hit est très 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 puissant, voilà, on voit la puissance de Hit. Et personne d'ailleurs arrive à voir les mouvements de Hit, Goku n'arrive pas à les voir, Piccolo non plus, même Jacko, personne, à part Whis, hein, évidemment Whis, enfin il comprend les techniques de Hit quoi, Whis, hein. Mais évidemment Whis va pas révéler les techniques de Hit, hein. Donc après ça, bah voilà, le roi de la patrouille galactique conclut que Hit est capable de remonter le temps de 1 dixième de seconde, soit de 0,1 seconde, pour anticiper les coups. Voilà, il peut remonter le temps, et d'ailleurs, il a conclu que le pouvoir de Hit, donc pour remonter le temps, est le Tokitobashi. Donc le Tokitobashi qui est le pouvoir pour remonter le temps de 0,1 seconde. Et donc voilà pourquoi Vegeta se fait défoncer, il comprend pas, voilà, Hit peut remonter le temps de 0,1 seconde, voilà, et Vegeta se met, est facilement mis KO par Hit. Ensuite, c'est le tour de Goku. Goku qui va affronter Hit dans une finale, donc voilà. Et on comprend enfin à quoi sert Monaka. Tout le monde disait, ouais, ça pourrait être le méchant, ou je suis sûr qu'il nous cache une vraie puissance. Eh ben non! Monaka n'est que putain d'escroc. Beerus a pris, en fait Beerus, ce qu'il a fait, il a pris un simple amateur en le faisant passer pour un puissant guerrier dans le but de motiver Goku et Vegeta quoi en fait, voilà, c'était juste pour ça en fait. Donc Monaka ne sert à rien. D'ailleurs dans l'ending de Dragon Ball, on voit Monaka qui est représenté avec le roi galactique et comment encore, et Jacko. Donc comme quoi voilà. Monaka franchement il sert à rien. Maintenant reste à voir, il aura peut-être un rôle pour la suite, mais reste à voir. Donc alors bah au début Goku, donc voilà c'est le tour de Goku contre Hit, maintenant un combat qu'on attendait je pense hein. Donc maintenant bah c'est Goku se fait avoir comme Vegeta, donc le tournoi, le combat commence et Goku se fait avoir comme Vegeta, mais à la surprise générale il finit par réussir à stopper les attaques de Hit, alors que Hit peut monter le temps de 0,1 dixième de seconde. Donc Goku finit par stopper les attaques de Hit alors qu'il n'est même pas en Super Saiyan, ou même pas en Super Saiyan Blue, ou même pas en Super Saiyan God. Il est comme ça normal. Hein. Et il est très confiant Goku, ce qui fait qu'il est très puissant Goku, parce qu'il dit même comme ça, enfin t'as Hit qui dit comme ça, tu te transformes pas en Super Saiyan Blue, et Goku qui fait non. Je vais d'abord voir de quoi t'es capable, puis ensuite, une fois que j'arriverai à voir comment tu te bats et tout, eh ben je me transformerai en Super Saiyan Blue. Ce qui fait que beaucoup essayent de voir vraiment la chose, voilà, vraiment pour analyser ses attaques et tout, pour vraiment, une fois qu'il aura analysé ses attaques et tout, ben il se transformera en Super Saiyan Blue, quoi. Donc, comme quoi, Goku, voilà, est très fort. Hein. Donc, après, donc voilà, donc... il n'arrive pas, donc voilà, il se fait avoir comme Vegeta et tout. Et puis ensuite,
il finit par réussir à stopper les attaques de Heat. Ah oui, il finit par réussir à stopper les attaques de Heat. Et d'ailleurs, ça m'a surpris, ça, parce que je m'attendais franchement Heat qui allait défoncer Goku, et non, finalement, Goku arrive à vraiment stopper les attaques de Heat, alors que Goku utilise aussi le Tokitaboshi. Ah, il utilise aussi, donc ouais, donc il peut stopper les attaques de Heat. Donc, si Heat peut remonter le temps de 0,1 seconde, et ben Goku alors, ben, ça veut dire que s'il arrive à stopper les attaques de Heat, ça veut dire qu'il remonte le temps de 0,2 secondes. À mon avis, c'est sûrement ça. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Après, donc, une fois qu'il réussit à stopper les attaques de Heat et tout, on apprend aussi que Heat a 1000 ans. Oui, il a 1000 ans, Heat. Ouais. Donc après qu'il réussit à stopper les attaques de Heat et tout, tu vois, Heat qui est tout étonné, qui fait quoi? Enfin, t'as Goku qui dit comme ça, alors j'arrive à stopper des attaques, et tu fais, tu vois, et tu fais n'importe quoi et tout en mode étonné, vas-y, c'est moi le plus puissant, ce que tu racontes, Goku, en mode comme ça, c'est trop fort, ouais, j'ai bien aimé. Donc, et ben après ça, on arrive à la fin de l'épisode où on voit Goku qui s'apprête à se transformer en Super Saiyan Blue, et dans le trailer de l'épisode 39. Et ben on aura Goku qui se battra contre Heat en Super Saiyan Blue. Le combat s'annonce épique les amis. Oh là là, donc on voit le trailer et tout. Ça va être pour moi un des plus beaux combats qu'on ait vu dans ce tournoi. Goku contre Heat, ça va être énorme les amis. Putain, je me réjouis. Putain, je me réjouis d'être dimanche prochain, putain, pour voir cet épisode. Ça va être une tuerie. Oh là là. On peut voir qu'ils se mettent tous les deux à fond et voir la nouvelle technique secrète de Goku. Ça va envoyer l'épisode 39. Oh là là. Putain, ça va être énorme. Et donc voilà. Et donc, on apprend aussi, je vais vous dire, qu'on a les têtes de l'épisode 38 à 40. Donc les têtes officielles, apparemment. Et on a, ce que j'ai pu voir, on a les têtes de l'épisode 41 et 42. Mais... Donc l'épisode 41, on n'a pas encore assez d'info. Je vais pas vous le dire maintenant pour pas vous spoiler. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Et on a aussi le titre de l'épisode 42, mais il n'y a rien pour l'instant. À mon avis, il va falloir attendre peut-être une semaine pour vraiment avoir les titres de l'épisode 41, 42. Évidemment, ce sera du spoil, mais il va sûrement attendre voilà, une semaine pour vraiment avoir ces titres. Ouais. Et ça annonce d'avoir du lourd et tout. Bon, ça, je ferai une vidéo un part pour les titres. Hein, donc, voilà. Et je vais aussi vous dire que... L'interview de Toriyama. Donc on apprend que Goku aura une nouvelle transformation. Et cette nouvelle transformation sera le Super Saiyan White. White qui signifie en anglais blanc. Donc Goku aura une nouvelle transformation, le Super Saiyan Blanc. Super Saiyan Blanc, ça doit être sûrement ouf, hein. Donc ça c'est cool. Et on apprend aussi dans l'interview de Toriyama que un personnage sera lié au futur dans Dragon Ball Super. Et ce personnage... Pour moi, hein, et je crois que je suis pas le seul, c'est Mirai Trunks. Je vois personne d'autre. Un personnage, parce que j'ai dit, qui est très populaire, qui va plaire à tout le monde, ça peut être que Mirai Trunks. Mais maintenant, c'est vrai que je me suis dit aussi, ça peut être Gohan. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu Mirai Trunks, quoi, arriver. Donc pourquoi pas qu'il changera un petit peu la sauce, quoi, qu'il mettrait un Gohan. Ça serait peut-être intéressant parce que Gohan, il est pas con, il est intelligent, il étudie, il pourrait très bien faire une machine dans le temps. Hein, ça peut être possible. Hein. Et puis il viendrait prévenir voilà, qu'il y a une menace qui va arriver. J'ai une théorie là-dessus, mais je pense que je vous le ferai dans une autre vidéo. Ouais. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite, etc. Me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Hein. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, arigato!